Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire en vampire sur l'Empire Mortel. Ouais, j'ai dit en empire ou en vampire? En vampire sur l'Empire Mortel. Vampire, empire. Vampire, empire, vampire, empire, vampire, empire, empire. Ouais, c'est bon, en éclairage. Je regardais un truc. Ok. Donc, petite bataille, hein, présentée. L'Empire veut nous faire des câlins. On le savait. Ah, je pense que ça devrait bien se passer, surtout si je cale un bon souffle de la non-vie, mais... Tout espoir n'est pas perdu, bien sûr. Je me demande ce que les spectres vaut sur des chevaliers demi-griffons. Je me demande... Une petite régène bien placée. Tout le monde est bien expérimenté chez nous, quand même. Hein. On se fout pas de la gueule. Alors, je pense que lui, par contre, on va carrément le mettre ultra devant si possible. Qu'est-ce que. Ça se cache là-dedans, ça? Vous voyez qu'on peut. Y a pas un truc pour voir si on peut cacher une unité? Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, par contre, derrière... Non! Quand ça, je peux pas dire... Ah. Non, mais c'est le cul, ça! Mais pourquoi il n'y a pas la place pour se déployer derrière, là? Qu'est-ce que c'est, cette map? La map qui me feinte. Si, il y a bien une zone, mais bon... C'est loin. C'est loin. C'est vraiment rentable de se mettre là. Bon, après, ils vont un peu... Techniquement, lui, il va 5 fois plus vite que... Non, 4 fois, 4 fois. 4 fois plus vite que lui. Donc, sur une distance parcourue... Attention, calcul très simple. D'ici, eux, ils peuvent faire 4 fois cette distance. Donc, ah, ça se tient, hein. Écoutez, on va tenter comme ça. On verra bien. Je vais les faire foncer, mais genre comme des malades. On verra, ça passe. Hein. Alors, dans l'idée, j'ai l'impression que je dois courir, par contre. Hein. Je dois vraiment courir. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai rien à protéger, par contre. Bon, réellement... Si, mes grosses bêtes, à la limite. Pourquoi mon armée paraît si peu nombreuse alors que je suis censé être plus que... Je ne sais pas. Bah j'ai envie de vous dire, courez les gars! Je sais pas ce que ça vaut, pour l'instant il se déplace donc moi ça me va. Aïe 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 aïe. Ça on sait que ça fait mal ça. Aïe 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 aïe. Helmengorst. Voilà. Aïe 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 aïe. Oh ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh. Vais-je vraiment réussir à caner un truc comme ça? Bon, tu peux y aller, hein. Genre celui-là. J'espère que c'est efficace. Ça m'a pas l'air du tout efficace. Aïe 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 aïe. Swiftly. Von Karsteins are the true empress. Ok. Bah je sais pas trop quoi faire en vrai hein. If you insist.
Ça m'a pas l'air super efficace ça au final. Donc, on va carrément ignorer et on va se baser sur une régène de taré et puis c'est tout. Hein. Parce que là ça a pas l'air Là comme ça, ça a pas l'air ouf. Et Hellman qui se tape pas encore. Allez Hellman, là, faut me faire des régènes de ouf là. Sur la pire unité, vas-y, choisis la pire unité pour régène, comme ça au moins on régène pas. Merci. Ah, je perds mon unité là-dessus, d'accord. Allez les arquebusiers, faut céder un moment. Est-ce que j'ai un petit souffle qui allait, un petit souffle qui ferait du bien, genre là. Ouais, allez vas-y. Juste pour taper un peu là-dedans. Ok, ici ça tient, étonnamment. Ici on y va. Faut foncer comme des tarés par contre. Hein. Là, faut juste faire un blob qui régène. Parce que là, il m'a un peu tapé dans... Voilà, là, faut y aller. Là, faut faire un blob maintenant. Là, vous faites un tas. Bien comme il faut. Et Hellman, il vous aide à régène. Parce que je m'y attendais, les demi-griffons. Ils m'ont défoncé littéralement, mais... Ici, ça tient super bien, étonnamment. Ici, ça me dérange pas, c'est bon. Et ici, c'est le tas de la mort. Allez. J'ai flippé. Je vous jure que j'ai flippé, en vrai. Voilà. C'est bon. À quoi qu'ici, va falloir faire attention, en vrai, hein. Allez, tenez le coup, les gars. Je suis sûr que vous y arrivez. Nous, c'est tout dans la mêlée. On buff tout le monde. C'est rigolo. Et les spectres tiennent super bien. Est-ce que tu peux le bolosser, lui? Voilà. Alors, par contre, voilà. Si ça fuit instantanément, faut poursuivre. Voilà, si leur, genre eux vont à, enfin, font ça à pied, tout ce qu'il faut là. Ok, au final on la gagne. Bon. Allez, faut s'assurer que tout le monde court. Je pense qu'en termes de vitesse, ils sont pas assez chauds pour ça. Tu vas aller wanted lui. Tu vas aller wanted lui. Tu n'y arriveras pas de toute façon. Voilà. Les petits joueurs d'épée ici, on est bon. Ah, ainsi ai-je parlé. Oh, c'est beau. C'est beau, Delta. Cette fin de phrase. Ben, merci quand même de passer faire un coucou. Des gros bisous et un bon courage pour le boulot. Viens dans ton cul. Les spectres, ils ont résisté tout court. Les chiens, par contre, je pensais que je me suis dit peut-être que l'anti-large, je sais pas, il va faire un petit truc sur le demi-griffon. J'ai vu mes chiens mourir en instanté. Je fais non, en fait, tant qu'à faire vous, fuyez, pauvre fou. Alors, pourquoi je me dis que je veux la régène là? Très bonne question. Ah non, peut-être que je veux ça au final, la magie. Oh, la régène. Je sais plus où j'en suis, donc c'est plus safe de prendre la régène. Ok, c'est bon, je m'en rappelle.
Remporter une bataille, oui. Vite. Ok. Donc déjà là, on est bien. J'essaie de me rappeler un peu où j'en suis, je vous avoue. Hein. Donc, on va doucement. Ouais. Visiblement, j'avais utilisé tout mon déplacement ici. Ah oui, je voulais rester ici parce qu'il y a une armée qui va venir nous dire bonjour ici. Il est vrai, je m'en rappelle. C'est bien l'orque, vas-y, défonce-le. Wow, ok. Ici, je crois que j'avais mené une stratégie d'embuscade prévue sur double embuscade. Et si ça marche, c'est goldé. Ici, je vois beaucoup d'ennemis. Et c'est là qu'on se dit que ça pue. Mais, on a moche. Hein? Et techniquement, ça, je peux essayer peut-être de m'en occuper. Échec, évidemment. 74%, t'as cru quoi? Moi, ce qu'il me faut, c'est plus de ces gars-là. Hein. Il n'y a pas moyen. Hein. Ils sont un peu abîmés. Ouais, là, ils commencent à être chez moi, là, quand même. Hein. Là, ils commencent à être un peu envahissants. Hein. Faut se le dire. Hein. Il pille. Ce mange-mort, il est en train de me piller. Du coup, c'est pas simple. J'ai l'impression que... En vrai, il va quasiment full régène. Par contre, je vais peut-être lui mettre une... Un truc, là, non? Il lui manque une machine mortise à cette armée. Hein. Ça va me coûter un bras, mais il le faut. Comme ici aussi. Hein. Ah non, ici, j'en ai une. Putain, je suis sur trop de fronts différents. C'est là que ça se complique. Bon, le mood, c'est bon, on s'en fout. Il faut arriver absolument à défendre mon économie ici, en fait. Je pense que c'est ça le but du jeu, en vrai. Hein. Quand on y réfléchit. Ici, il va falloir que j'aille les chercher. Ça, j'ai pas le choix. Parce que sinon, ils vont être emmerdants à un moment. Ils vont peut-être aller me chercher ça, ce genre de choses, là. Au niveau des baisers de sang, on est bon. Yo, Bobby! Tu m'as motivé. Je tente ma première vraie campagne légendaire. Et avec les vampires, bien sûr. Bonne chance, du coup. Alors, j'espère que ta technique, peut-être qu'en vrai, invasion marchera vraiment bien. Donc, la pure invasion que tu connais. Mais, tu vas voir que l'axe du bien, il est pesant quand même. Hein. Il pèse dans le game, cet enfoiré. Hein. Ah, j'ai du mal à savoir quoi faire, là, pour le coup, je vous avoue. J'essaie de me dire, ouais, ici c'est bon, ici c'est bon. En fait, j'ai envie de garder ces quatre armées-là pour me défendre. Je sais pas si elle, je dois la garder ou... Ici, on touche pas. De toute façon, ça, c'est en train de se faire démolir. En plus, on a un petit nouveau dans l'équipe. Pas piquer des hannetons. Il me semble que ça... Ouais, c'est défendu de fou et tu comprends même pas pourquoi. Donc ça, ça serait un truc à aller chercher, par contre. Parce que je crois que c'est collé à ma région. Toutes les régions... des provinces adjacentes. Donc, il y a moyen... que ça, si je capture, je booste aussi son économie. Donc je booste ici, je booste ici. En fait, je booste partout, quoi. Donc, peut-être que je vais devoir accepter de perdre des villes ici. Mais il va falloir que j'aille chercher quelque part quand même des villes pour me défendre. Ou alors,
Avec lui, je défends. Genre ça, cette armée-là, c'est de la merde. Ça, c'est, ça me va, ça, comme armée. Ça, c'est cadavre. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Est-ce qu'avec deux armées, genre une armée invasion, une armée telle quelle, je peux aller chercher ce que je veux? Je pense que oui, hein. Surtout que ça va être Manfred qui va la maîtriser à un moment. Je crois que pour l'instant il est blessé, c'est tout. Ouais, il est là. Enfin, non, il est pas blessé. Il est là. Si vous voulez, il est ready. Il est ready, mais... Ok. Ouais, bah écoutez, je pense que lui va aller sur un... sur cette zone, il va essayer de défendre comme il peut. Faut que je fasse gaffe en termes de distance de déplacement, il est niveau 9, il a l'air de se déplacer plutôt pas mal puisque le raid ça lui fournit quoi? Moins 25% de portée, donc non, c'est bon, 25% c'est pas ça. Hein. On va pouvoir se mettre là normalement. On va régénérer correctement. Déjà là, Hellman, il va pouvoir défendre plus ou moins cette zone. Pendant ce temps-là, Vlad, il tente un piège. Ah, on tente Isabella, on tente d'attirer notre ennemi. Et si ça marche, on est goldé. On n'a pas une campagne... Il faut aller dans les montagnes... Il faut qu'il aille à Miragliano. Vous êtes fatigant. Hein. Et lui, il doit piller cette région maintenant. Et... Je comprends pas. Sauf que la région, elle est un peu un allié. Donc, piller un allié, je suis moitié moyen chaud. Ouais. Surtout, don't panic. Donc là, j'ai plus rien à bouger déjà. Ici, je vais recruter la machine Mortis. Ça me semble très très important. J'ai un second soutien d'armée. Donc je pense que cette armée-là, il n'ira pas me chercher ici. Donc je devrais être tranquille. On peut essayer de se faire ce petit bâtiment peut-être. Je sais pas si elle est comptée. Parce que... On va relire. Partout les bâtiments, plus 50%, donc ça c'est bien. Alors, revenu, non, 25% toutes les régions des provinces adjacentes. Ouais, donc ouais, ça normalement. Ça devrait être validé, hein. Et ça, on touche pas. Toi, il faut que tu blesses stratégiquement tout ce qui nous intéresse, donc genre cette armée-là, potentiellement. Ou une armée qui va se diriger par là. Peut-être plus celle-ci. Hein. Surtout que c'est Karls, oui. Allez, s'il te plaît. Merci. Ça fait un héros en moins. Ça fait un baiser en plus pour moi. Il n'y a plus de héros chez eux. Il n'y a plus rien. Après, on peut essayer d'attaquer les unités, hein, quitte à essayer de blesser un tout petit peu, quoi. Quitte à essayer de blesser... Nul, il te reste un tour. Si tu sais résister un tour, t'as un meilleur... Ah merde, il y arrive en un coup. Oh! Comment il s'est... C'est quoi ce qu'il a gagné? Attendez. Très obtenu. Gardien... Ah, gardien du domaine. J'ai cru qu'il y avait marqué gardien de la justice. Je me suis dit, ah ouais, toi, tu tues des gens, c'était... C'est la justice. Et concept. Non, je vais l'annuler. Je pense qu'au prochain tour, j'y arriverai pas à l'avoir. Je vais l'annuler.
Je tiens à économiser un maximum pour améliorer autre chose si possible. Genre lui, il serait au maximum quand même après. Hein. Et c'est des boules de cadavres hein, qu'il jette. Hein. Il chie littéralement sur l'ennemi. Ouais. Ou alors j'économise pour un bâtiment là. C'est peut-être plus intéressant. Coup de l'action héros, coup de recrutement du héros. Ouais, rang des seigneurs recrutés, ça c'est bien. Entretien moins 5% pour tout ça, mais c'est plutôt fort. Sinon, il y a argent. Ici, putain, on a quasiment tout évolué en vrai. Hein. Enfin, tout ce qui nous intéressait vraiment. Les chevaliers de sang, on les a pas encore fait. Les carrosses noires, les charrettes macabres et les machines mortis. Ça valide ça aussi le plus 5 tous, enfin le plus 15 même sur les héros, ça je sais pas. Ouais ça ça serait bien ça. Si je peux recruter encore un roi revenant et je peux le faire, il faut que je le fasse. Mais il faut que je le fasse plutôt là-bas non, enfin, vers là quoi. Allez. Non, on ne touchera à rien. Ah, sauf les upgrades, ça c'est sûr. Donc ça, ça nous a pas mal aidé. Donc son armée, c'est composé de quoi? Spectre, garde des cryptes, les lanciers, des loups et des horreurs. Les machines mortises, tout ça. Je sais pas si ça marche sur le seigneur d'ailleurs. À peu près la même idée. On a amélioré ici ce qu'on voulait. Les loups funestes. Ça me permettrait d'avoir un meilleur bonus de charge avec les loups funestes. Plus 25%. J'ai pas de machine mortis. Je pense qu'il est déjà ultra résistant en vrai. Donc qu'est-ce qu'on va... Attendez, ça augmente la vitesse? Ouais. Est-ce qu'on lui mettrait une seconde machine à lui à un moment? Est-ce qu'on virerait... un loup pour une seconde machine? Ça peut se tenir peut-être. Hein. Parce que là j'ai tout. J'ai tout. Mais si je mettais ça, plus l'amélioration là... Ah ouais, mais non, t'es niveau 4. Ah putain, il n'y a plus qu'un point. Oh, pardon. J'avais fait une bêtise, dis donc. Bon, bah, ça, hein. Si je peux passer au double en chance d'embuscade... Et toi, t'es forte en combat, toi. Sur un destrier, ça serait peut-être pas mal, hein, en vrai, hein. Vampire. Ça lui donne quoi? Ça réduit légèrement son armure, mais ça lui donne un meilleur bonus de charge, une meilleure vitesse pour aller chercher ce qu'il faut. Par contre, elle n'a plus l'attaque empoisonnée. Ah non, je pense que c'est juste le destrier qui veut pas l'afficher. Donc elle peut plus se cacher, elle perd un peu en commandement, mais elle gagne quand même pas mal. Hein. Et lui, c'est par contre plus d'armure. Un bon bonus de charge aussi, une meilleure vitesse, mais ça... Ouais, on verra plus tard. Avec toi. Le nécromancien. Écoutez, on va améliorer attaquer l'unité. C'est un peu nul en vrai, je trouve, mais... J'ai tellement de nécromanciens que peut-être à plusieurs nécromanciens, ça pourrait faire un beau trou chez l'ennemi. Voilà. Mais je crois qu'on a tout fait. J'espère que lui va se faire attirer. Comme ça, lui, je vais pouvoir l'attaquer. Derrière, ici, bah, il va avancer ses troupes. Donc là, potentiellement là. Lui, de toute façon, il est cadavre. Lui, c'est notre cible. Et ça, on verra bien.
C'était un tour un peu long, mais en même temps, il fallait que je me rappelle de ce que je faisais. Parce que là, pour le coup, j'évolue sur plusieurs fronts, et contre l'Empire, je dois pas me chier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec? Ouais, il retourne chez lui. Ok. Parce qu'elle a rien d'étonnant. Voilà, j'ai bien fait d'annuler le truc, parce que comme vous voyez... Ah, il a raté. Il m'a pas blessé, ça c'est bien. L'embuscade qui marche. Allez. Bien sûr, des bisous. Hein. Allez, let's go. Toutes les autres armées sont obsolètes. J'ai besoin que de celle de Vlad. Parce que de toute façon, elle va régène derrière. Quel pauvre fou d'attaquer ses armées. En plus, il y a 4 feux d'enfer. Hein. Ouais, non, non. Mais ça, fallait que ça meure. Hein. Ça, là, fallait littéralement que ça meure. Alors, Vlad von Karstein. Croyez que si je cale un souffle comme ça, ça peut s'essayer, hein. Mais je pense pas que ça fasse vraiment l'effet escompté, mais on verra bien. Merci Kaedric pour ton follow et bienvenue à toi. Pain, 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 pain. Les Varguf pour aller chercher tout ce qui est arquebusier. Alors, putain, il y a tellement d'unités maintenant que c'est un peu dur à tout mettre. C'est un petit peu dur à tout caler. On va en prendre deux comme ça. Deux comme ça. On va mettre ça avec. Il me reste rien, j'ai toute mon armée là. Ouais, je crois. Ah, j'ai l'éboulement avec lui, faut pas oublier. Et j'ai un héros caché, hein, donc lui je vais le défoncer. Hein. Je pourrais le défoncer avec un Varguf d'ailleurs. Parce que sinon il va faire courir Vlad, je pense. Ah, il a pas le souffle de la non-vie, donc... tous les cas, au moins. Ah là là, merci énormément, Guillaume. Merci pour ton resub. Comment tu vas? Bien dormi, bien réveillé. Je suis pas sûr que lui, il arrivera à chasser ce qu'il veut. Mais bon. Merde, 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 merde. Faut pas que je me pompe, faut pas que je me pompe. Pardon. Allez. Ouais, c'est clairement un Varguf qui va me permettre... Oh là là, le gangbang! Ça, c'est beau, ça. Vous voyez, au départ, c'est très théorique, puis sur la pratique, ça change quand même un peu, mais... Qu'est-ce que vous essayez de faire, vous? Qu'est-ce que t'essayes de faire, mon gars, en fait? Est-ce que je peux t'aider, peut-être? Voilà. On s'occupe de tout ça. Allez, je veux plus de batterie, moi. Bon, je pense qu'en vrai, eux, ils ont pas besoin de mon aide. Voilà, ça abandonne. Les arquebusiers, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les chasseurs. Ça, on va chasser direct, ça. Le chasseur, hop, on le défonce. Ça, on le défonce. Ça, on le défonce.
Ça, on le défonce. Alors, attendez. Ouais, c'est bon. Ils étaient pas vraiment engagés dans la mêlée au final. Hein. Allez, go, les gars. Faut revenir. Oh, cette armée d'embuscade, elle est tellement parfaite. Viens là, toi. Parce que là, lui, il essaye de... Voilà, chope-le, là. Mais qu'est-ce que tu fais, Vlad? Mais tu es fou! Allez, on doit gérer tout ça. Voilà, c'est parfait. Lui, il se tape. Lui, il se tape. Toi, tu peux arrêter de poursuivre, je pense. Hein. Voilà, ça dégage. Allez. Allez, on n'hésite pas à se regrouper pour que Vlad vous fasse un petit sort de régène. Pas piquer des hannetons. Voilà. Et en même temps, vous détruisez. Parce que c'est le plaisir de détruire. Voilà, duel bardier ici, duel bardier. C'est pour ça qu'il résistait, c'était duel bardier. Ma machine Mortis. Une unité plutôt intéressante, tier 3, qui permet une régène, un buff pour les amis et des debuffs pour les ennemis. L'utiliser, non, trop facile. J'ai préféré, moi, l'éloigner du groupe parce que je me suis dit, vraiment, c'est trop OP après. Vraiment, je suis fier, hein. Je suis très fier hein, quand je fais ça. Ah ouais, si je pouvais me tuer ça, par contre, ça serait pas mal. C'est normal que tu avances à cette vitesse. T'es sûr que c'est du x3 ça? Ah, ça c'est du x3. Putain, il y a eu un problème là. Allez, vite, 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 vite. On a achevé ce qu'on pouvait. Très, très bien. Prêt pour me casser le castot. Ah, tu vas changer, du coup? Tu vas arrêter avec eux? Oh, les cochons. Oh, ils sont gavés, mes horreurs des cryptes. Waouh. 208-129. Ouais, pas mal, bah, la machine Mortis. Alors que ça m'aurait permis de régène, hein, juste comme ça. Hein, mais bon, alors, trop facile. Nous ne prenons pas la facilité. Eh, donne la régène, si possible. Ah bah non, il était sur son territoire. Je m'en foutais, en fait, de la régène. Allez, quelle armée il va m'attaquer encore? Ça me va, parce que tu vas juste crever petit à petit. Ça me va aussi. Ça, ça rentre chez toi, ok. Pour l'instant, on se porte bien. Le chaos, par contre, risque de vouloir foutre un petit peu la merde, mais bon, hein. Oui, un petit peu beaucoup, peut-être. T'as de l'humain sur ta droite, là. Pourquoi tu vas attaquer du vampire? Je comprends pas. T'es là pour foutre le bordel ou pas? Ah, attendez. Parce que là, c'est un peu la merde. T'as l'attaque éclair, toi? Oh, je vais perdre la ville. Donc le chaos m'oblige à me concentrer là-bas. C'est super.
le chaos qui décide de venir plutôt vers moi que vers mon ennemi. Est-ce que je peux faire peut-être la bataille? Ça, je m'en fous. Si je voulais autant d'infos, ça serait un magazine que je prendrais hein, à un moment. Hein. Alors. Avant même. Ouais, en vrai, si, ça se fait, ok. Ça se fait carrément. Donc si j'attaque avec ça, je peux me mettre en je peux me mettre à raider avec l'autre. Et en fait, je le tue après, non? Bah, c'est une armée de 15 et une armée de 17 quand même, hein. Il est là le problème. L'idée, c'est que l'embuscade que je dois mener, ça va peut-être être Isabella. Donc du coup, qu'elle ait un Kali, ça peut être pas mal. Hein. Pourquoi elle peut pas? Le personnage CCR est dans un mode. Ok. Elle peut bouger comme... Oh. Je suis pas sûr, mais je crois. Là, suffit de courir après, en vrai. Et après, en fait, j'attaque ça, c'est tout. Hein. J'ai quoi en taux d'embuscade ici? J'ai un taux c'est d'embuscade de 100%. Bon, bah, c'est bon. Hein. Je m'occupe de lui, je remonte. En fait, je rase ici. Le seul problème, ce n'est que je n'ai pas d'infos sur la zone. Voilà. Ok. Alors, avant de s'occuper de ça, putain, ici ça va être un gros problème. Hein. Chance. Putain, je viens de mettre la machine morticellite, quoi. Ça, c'est bien. Bien joué. Alors, si c'est pour après montrer qu'en fait, t'as rien fait, retiens-toi surtout. Hein. Toi, t'as l'attaque éclair. Hein. Ouais, lui, il a l'attaque éclair. Donc, du coup, si je décidais d'attaquer ça pour rentrer à l'intérieur... J'ai pas d'armée, ici. Pendant ce temps-là, lui, il va régène. Vous allez voir que le chaos, bizarrement, il va me foncer que sur moi. Ça va être un vrai plaisir. Ok. Au moins, ça, c'est fait. Vous allez voir qu'il va le foncer que sur moi. Pas sur autre chose. Sur moi. Que des héros, hein. Putain, pourquoi j'ai mis cette armée dedans? J'aurais dû me casser avec. J'aurais dû me casser. Il rasait au pire et c'était pas grave. Erreur de ma part. Parce que là, du coup, ça m'oblige à faire potentiellement une deuxième bataille ici. Genre cette armée plus des renforts là-dedans contre ça. Plus ça. C'est long à tomber, mais ça se tombe. Hein. On part sur ça en bataille. Et du coup, si je l'attaque... Gardons les armées, les compositions d'armées. Très importantes. Alors, on a du troll blessé. Donc, le troll blessé, c'est bien. Ça meurt assez vite. Ouais, on a pas mal de guerriers du chaos. Mais bon, l'avantage chez nous, c'est qu'on va jouer sur la régène. Ces canons vont mourir instantanément et il ne saura jamais aller chercher mes Varghest. Et ça, ça va être le top. Donc là, les Varghest, il va falloir les gérer. Il y aura une régène plutôt costaud parce qu'on aura Mister. En fait, ça va être très contact. Mais faut pas que je perde.
L'avantage, c'est que tout ça, en fait, je m'en fous, je me dis. C'est vraiment ça qui est chiant, mais je vais jouer la machine mortise, je vais jouer des Vargas de charge. À la limite, les charges, j'irai les chercher avec les chiens. Là, il y a quelques cavaleries, il y a beaucoup encore d'albardiers. Ah. Pourquoi t'as pas l'attaque éclair, toi? Est-ce que je peux... Non, j'ai pas de... Je me demandais d'ailleurs si j'avais un rituel, mais visiblement, j'en ai pas. Donc le but, c'est d'aller rusher ça. Donc si je vais là-bas, du coup, je soutiens et on se retrouve en fight. Est-ce que j'ai quelque chose à aller chercher, tant qu'à faire? Contre lui. Parce que si je fais ça, j'abandonne la zone ici. Hein. Là, il est vrai que... Mais bon, ai-je le choix? N'ai pas l'impression. Déjà, ça c'est sûr. One job. And you fail. Est-ce que si je l'attaque, ça vaut le coup? Oh, vous pouvez faire un peu de réussite. Ah ouais, il me voit genre écrase. What? Ouais, elle est morte. Elle est finie. Elle est finie. Ça sert à rien. Elle est finie. Finito. Fini. Écoutez, ouais, hein, je pense qu'on cède ici pour justement se dire qu'après, on évolue là-dedans. Hein. Puis c'est tout. Hein. Par contre, je vais tellement avoir de dégâts. Non, ça va. En vrai, en déplacement, il est pas fou. Donc du coup, il pourra pas sauter là-dessus. Mais il pourra sauter là-dessus. Et si je gagne, j'ai une régène de malade derrière moi. Donc, Allez, on va, je pense, va pour cette grosse bataille. On a une machine mortise plus Hellman pour aller régénérer les troupes, donc je pense que ça se tient. Je pense que ça se tient, ils vont peut-être me dire que je me fais littéralement écraser. Ah non, ils disent, ouais, ça se vaut. Bah écoute, je vais te montrer que ça se vaut pas, moi. Enfin, j'espère. C'est très contact, donc je crois que je suis... Quoi? Ah, mon jeu, il a planté comme ça. Au calme. Oh non, ça, c'est pas bon, ça. Putain, c'est... Pas bon, ça. Depuis la dernière match, d'accord. Ah ouais. Ok, je vais... on va essayer de faire réparation, dernière mise à jour de tout ce qu'il faut, parce que je crois qu'en pilote Nvidia, je suis un peu en retard, mais normalement sur Warhammer, ça l'infecte pas trop. Mais ok. Heureusement que je dois faire cette bataille. Hein. Là, c'est... Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Le jeu est pas connu pour être le plus stable du monde, mais... Après, en vrai, si, il a quand même ses mérites, parce qu'il y a des mods derrière et ça tient le coup. Voilà. On retourne dessus tout de suite. Hein. Hop. Let's go. Quand je vois mes anciens trails, là... C'est comme ce bug là qu'on voit. J'ai jamais compris pourquoi ça enregistre des tours à des moments. Des fois il y a un tour qui se sépare du reste. Ça m'avait fait ça sur quelle campagne déjà? Je crois que c'est celle de Marcus. Et là ça recrache. Oh putain, imaginez si ma sauvegarde elle était corrompue. Oh le mort!
Bon, comme on a dit, ça va être très contact tout ça. L'avantage, c'est que on a une bonne front lane. Putain, résister. Putain. On va aller chercher ces canons en 2 secondes. Vraiment, ça va être vitesse grand V. Hein. C'est, vous allez voir. Les canons, il n'y en aura plus en moins de 2 secondes. Donc c'est en mode garde des cryptes. Avec garde des cryptes lourd. Ouais, je pense que je suis confiant sur cette bataille. Je pense pas que j'ai besoin de m'inquiéter. Parce que derrière, j'ai la régène, donc je pense qu'ils vont craquer avant. Ça, on le placera après, du coup. Ça, par contre, comme on a dit, c'est pour aller chercher. Je sais même pas si je vais me servir de toi en fait. Toi, t'as 0 spell à la base, donc. T'as 0 spell qui m'intéresse. T'as un éboulement aussi, ouais, t'as un éboulement. Bon, on pensera à cliquer sur toi un moment pour le faire. Allez. Il est où le canon? L'apocalypse, il est là-bas. Non mais c'était les guides et de ouf! Je savais pas que son canon il faisait des virages comme ça. Par contre, fuyez s'il vous plaît. Hein. Voilà, c'est pas le moment. Eh, foncez sur l'autre canon. Ah non, ils veulent pas s'envoler. Ils veulent pas voler avec les siens. Faut se préparer, les gars, là, par contre. Hein. Ok. Une machine mortis ici. Les chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens. Je sais pas à quoi vous servirez, mais vous servirez sûrement à quelque chose à un moment. Allez, faut continuer cette ligne. Je pense même que je vais mettre Hellman ici, les spectres ici. Allez là-bas, s'il vous plaît. Me dis pas qu'ils sont toujours pas détachés! Non, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Raté! N'est pas le seum. Ok, par contre, va savoir quoi faire dans tout ce tas. Toute façon, à la fin, on va partir en mêlée. Ça va être un brawl, le bordel, hein. On le sait très bien. Si vous arrivez à encaisser en premier les chocs, tant mieux. On ne demande pas plus de toute façon. Voilà, ils sont en train de le bolosser, le canon là. Allez hop. Ça dégage. Maintenant, faut se réoccuper de ce canon là qui traîne dans le coin là. Et pendant ce temps.
Est-ce que je considère que je les sacrifie, eux, en vrai? On va déjà se mettre au-dessus et on verra bien. Allez, il commence à faire de la mêlée. On y va. On accepte. Ici aussi. Oh, ça essaie de forcer. Mais ça ne passera pas. On se rappelle, il a un éboulement. Dès que ça commence à faire un tas... Voilà, là, donc là, c'est brawl total. Là, ça y est. On est engagé. Alors, il a décidé de pas tout envoyer ou je sais pas ce qu'il fait exactement. Ce qui est sûr, c'est que là, on va te charger Timur. Est-ce qu'il y a un souffle à faire, là? Oui, je crois que j'en vois un. Allez, maintenant on peut plus reculer. Faut accepter les dégâts hein, si jamais il y en a. Hein. Allez, c'est bien, on a bien frappé là. Bien joué. Allez, on les a sacrifiés, on s'en fout. J'en ai encore en réserve, je crois. Et au pire, s'ils arrivent à fuir, bah écoutez, tant mieux. Et reviendront voir Bibi. Alors, où c'est? Il y a besoin de heal peut-être. Je ne sais pas. À vrai dire, non, je ne sais pas. Mais j'ai envie de protéger le front avec Hellman. Ok, beaucoup de cavalerie ici. Ici, c'est bon. Elle a du mal à fuir, hein. Et ici ils sont plutôt amochés. Ici c'est bon. Écoutez, on va rester comme ça ici. Ça suffira, je pense, parce qu'en vrai on a Hellman avec, comme j'ai dit. Puis maintenant voilà, tout le monde est boosté. Allez, mange ça mon gros. Tellement boosté que, à mon avis, ça tabasse. Alors si on pouvait éviter, voilà, ce genre de truc, du genre on te met un squelette au dernier moment en mode bah tu vas voir, ça va être rigolo, ils vont mourir. Ok, ici c'est bon pour l'instant, ici ça tient. Je sais pas quoi faire de vous, écoutez, allez taper ce qui fuit et puis c'est tout. Ça on s'en fout, hein. De toute façon on fait une mêlée maintenant, là c'est encore une mêlée générale. On est là pour tomber sur l'ennemi en masse. Et là c'est là pour tenir. Ça lag, hein. Ça lag, ça lag. Allez, on s'occupe de Jagger, là. Parce qu'ici, il commence à abandonner. Allez, faut te taper la machine, là. Mais si tu tapes pas, toi, t'y régènes pas les autres. Rien. Obligé de faire attention que t'es... Ça, c'est... J'aimerais vraiment qu'ils enlèvent ce truc, là. La machine mortise doit taper pour régène, là. Parce que... Non, je suis pas d'accord. Bon, là, par contre, double machine mortise dans la gueule de l'ennemi. Je pense qu'ils seront pas frais, hein. Par contre, s'il avait un sort de feu, vous imaginez, là? Allez.
Un petit boost qu'on aime bien. Défense en mêlée meilleure, tout ce qu'il faut. Voilà, allez, il n'y a plus rien, faut tenir. Ici, ça tient. Et ici, ça va tenir. Et je suis pas mécontent d'avoir de la magie en... à outrance, là. Qu'est-ce qui arrive, là, encore? Arrêtez de m'envoyer ça. Ah, les chiens, ça me va. Oh, putain, ça lag. Enfin, je crois que ça me va. Il y a plus que deux fronts. C'est à flux tendu, hein. Ok, mes chiens, je sais pas s'ils vont résister en vrai, mais... Non, je pense pas. J'ai envie de les emmener, voilà. Allez, chassez-moi ça. Et on va essayer d'aller chasser tout ce qu'on peut après. Non, je peux pas booster au max, donc on va pas le faire. En combien de temps il a son truc? Ok, dans 13 secondes. On va peut-être pouvoir relancer un sort dans pas longtemps. Alors, est-ce que ça sera la régène? Je sais pas. Allez, vas-y, envoie. Alors là, par contre, la défense en mêlée, tout le monde est golden. Allez, ici, c'est en train de fondre. Ok, on va faire une petite réunion de chiens. On va les mettre à part. On va essayer d'aller chasser tout ce qu'on peut. Voilà, pareil pour les chevaliers du chaos, là. Allez, hop, on va les chercher. Ébranler, c'est bon. Attendez, ils abandonnent ou pas là? Ouais, ils sont en train d'abandonner. Là, ils sont... Bah ouais, ils quittent là. Là, ils se cassent. Ok. Ok, ce qui compte, c'est d'aller chercher tout ce qu'on peut. Hein. Surtout au niveau des... oui, des chevaliers, oui, clairement. Est-ce que j'ai d'autres chiens? Je crois pas. Toute cette cavalerie qui fuit là. Oh là là. Par contre, j'ai eu des pertes, hein. On le voit. On le voit clairement. Le x3 ne marche pas. Donc mon jeu, il a besoin un peu d'être réparé. Peut-être poursuivre aussi, toi. Hein. Mais non, normalement, t'es... Eh, putain. T'es censé poursuivre ça. Toi, tu me chopes ça. Toi, tu me chopes ça. Et toi, tu me chopes ça. Pendant ce temps-là, les chauves-souris, chopez-moi ça, c'est très bien. Ça, si vous pouvez, là-dessus. Et voilà. Si déjà, on enlève quelques unités comme ça, on est bien. Regardez le chien. Regardez ce chien de mange-mort, là. Regardez-le. On lui donne un ordre. Il fait pas ce qu'on lui demande. Chien de ses morts. Au moment où il fait ça, je le juge. Mais tellement. Allez. Fais-moi ça, là. On est plutôt content aussi que l'armée d'Elman est poison, je pense. Hein. Ah, chien de ses morts. M'énerve tellement à rester dans le pack. Je peux pas compter sur lui parce qu'il ne sort pas. Il va être aimanté de nouveau à tous les coups.
toute façon, vous y arrivez pas, vous. Allez, comme ça, ça détruira peut-être un personnage expérimenté. Normalement, ils sont 8-9, un truc comme ça, les personnages, là, actuellement. Ouais, bon, fuck. Back trop. Donc, j'ai perdu des Varghests, j'ai perdu des lanciers squelettes, mais ça, c'est pas grave. En fait, rien. Les Varghests, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et encore, je crois qu'ils peuvent être régène. 227, 149. Faut pas beaucoup de temps pour faire les gros dégâts comme ça. Ah non, j'ai perdu tous mes Varghests. Ça va me régène quoi? Un lancier squelette. Pas intéressé. Ok. Bon, le chaos, du coup, indirectement, on s'en est presque déjà occupé. Ah si, regardez, il y en a deux. Oh merde, il a perdu deux lanciers squelettes, lui. Ce qu'on peut faire. Parce que je sais que là... Toi, t'as pas l'attaque éclair, hein. Non, tu l'auras pas avant un moment. Donc l'attaque éclair, on oublie. Par contre, je peux essayer, je dis bien essayer de donner... Si je te mets là en embuscade, t'es à combien? 65%. Et là, 70%. Et là, 65%. Ok, il n'y a pas vraiment de forêt en fait. Ce qu'on peut tenter de faire temporairement, ou pas forcément temporairement en vrai, mais c'est de prendre quand même là du coup. Je lui prends des troupes. Genre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que de toute façon je vais virer un chien. 4 chiens c'est trop dans cette armée, ça l'affaiblit quand même. Donc je vais virer un chien quoi qu'il arrive. Les Varghests c'est pas pour lui. Du coup on va lui mettre... Ça me va. Alors lui, il faut qu'il se cache en embuscade, du coup. Genre ici. Ici. Et on lui donne les troupes qui sont fraîches. Pour le coup. Donc, les troupes fraîches, bah, c'est ça, en fait. Voilà. Pendant ce temps-là, lui, il croit pouvoir m'attaquer, mais en fait, c'est faux. Lui, il croit pouvoir avancer, mais en fait, c'est faux. Alors, tu peux peut-être t'améliorer. Voilà. Donc, si je lui donne des troupes... Ouais, en fait, non, j'ai même pas besoin de lui donner des troupes. Hellman peut les garder, en vrai. Je virerai ce chien après. Je m'occuperai de recruter une machine mortise, et puis c'est tout. Voilà. Donc là c'est bon, on recrute les squelettes qui coûtent rien. Ce front du coup c'est fait. Ce front là. Je pense que je suis prêt à accepter un peu d'usure parce qu'après je dois me taper ça. Avec tout ça à l'intérieur quand même aussi. Hein. Donc bon. Je pense qu'on est prêt à accepter... Alors, du coup, on tue ça et on se cache ici. Si son armée arrive, boum, embuscade et ça détruit une armée. Et l'armée détruite, l'autre qui fuit, ça nous fait attaquer soit le fort, soit le Karakizor. Voilà. Ou même Karakizor sûr, en fait. Ah, mais il va fuir, en fait.
Là, il y a une possibilité de fuite, là, si je fais ça. C'est même sûr. Mais on est obligé de tenter, je pense. On doit tenter quelque chose. Ah non, il peut pas fuir. Ok, cool. Je m'embête avec ça, non. Follow me. Soon I'll be all powerful. Bats and wolves gather. Topic 12. Du coup, avec lui, je me cache là. Lui, je pense qu'il va dégager. Du coup. Parce que, en vrai, si je prends les troupes ici. Et du coup, on tend un piège ici. Pendant ce temps-là, ici, on se défend. Ici, du coup, on a décidé de laisser. Mais ça s'améliore ou pas? Ouais. Ça, je m'en fous. Donc, tant qu'elle n'a pas quitté son mode. Bon, ça sera le prochain épisode, du coup, sur sa bataille pour le calice. Là, je m'en fous. Tu peux peut-être blesser lui. Ça sera fait comme ça. GG, gardien du domaine, c'est cool. Là, il y a des points à distribuer, c'est sûr. Va falloir se... Là, j'ai réussi quand même à pas mal améliorer l'armée. Ouais, mais non, c'est encore ça. Hein. Là, c'est mort. Horreur d'équipe, Loufunès, Vargu, Flug, Ghoul, Décrypte. Alors, Horreur d'équipe, il y en a, Vargu. Ça améliore pas les Vargas, ça? Ça c'est ok. Ghoul décrypte, horreur décrypte, Loufunès Varguf. Non, pas du tout les Varguest. C'est où les Varguest là-dedans? C'est là-dedans? Ouais. C'est ici. On verra bien, ça vaut qu'un point en vrai, donc ça peut être intéressant. Par contre, ça, clairement. Parce qu'une fois que les Varguf ont un rang 7 supérieur, ce qui est le cas pour lui et bientôt le cas pour lui, bah du coup, il a cette résistance en plus et tout ce qu'il faut quoi. On demande pas mieux. Le roi revenant. Le roi revenant. Pas 10 000 points à lui mettre à lui. Hein. Le vampire ombre. Ce qu'on aimerait, c'est sa magie. Enfin, surtout le fait qu'elle puisse pomper de la magie. C'est lequel? C'est lui. Lui, ça va être attaquer les unités, clairement. Alors. On peut essayer de blesser lui. Échec. Vraiment. Ça sera le prochain tour. Et si je retente avec lui, il n'y a plus chance. Je tente avec lui, c'est mort ici. Donc en fait, il vaut mieux que je ramène les troupes ici. Ok. Et avec lui, bah du coup, ramène-toi au centre. Hein. Ramène-toi au centre. Le mec, il est en train de nous chier. C'est pas une armée de merde là qu'il est en train de faire. Donc, j'ai intérêt à me grouiller. Parce que là, je vois un Varguf quand même. C'est pas de la merde. Ouais, j'aimerais bien aller choper ça. Là, j'ai l'impression qu'avec lui, il va foncer droit là-dessus. Peut-être qu'une impression. Elle est là pour débloquer la quête dans les montagnes de je sais pas où, là. Et après, elle ira à Miragliano. En gros, c'est un vampire voyageur.
Nouveau concept. Écoutez, on va lui faire attaquer une unité, puis voilà. Ouais, tant pis si t'as que 18% de chance. On tente quand même. Et en plus, il nous fait un succès, ce con. Bien joué. Non. Je dois aller chercher le bâtiment là-haut, là. Essaye d'économiser, hein. Si y a l'économie, bon, ça se discute. Mais si c'est pas l'économie, c'est non. Ça, du coup, oui. Encore des points. Accroître les revenus, bien sûr. On va les spécialiser là-dedans. J'ai tellement de... J'y touche même pas à celle-ci. C'est pour ça qu'il l'attaque pas. Hein. Elle est que dalle intéressante, en fait. Fin de tour. Allez. Je vais arrêter l'épisode ici. C'est quand même tendu parce que j'ai l'Empire qui traîne un peu trop chez moi, mais bon, c'est comme ça. En même temps, là, on a un laps de temps. Regardez, on va peut-être avoir une bataille pour le prochain épisode puisque je pense qu'on va reprendre tout de suite après. Hein. On s'en doute pas. Ce qu'il me faut ici, c'est évidemment... Allez, il va ramener son armée de mort. Voilà, il va casser la gueule. Voilà. Mais ça, c'est complètement vous. Ok. Parce que derrière, nous, on peut aller chercher ce qu'on veut. Et capturer Essen, ça nous dérange pas. Par contre, si j'ai mon armée qui est découverte, ça peut foutre la merde. Ah, un héros qui se dévoile, c'est très bien. Embuscade déjouée. Non ! Ça a l'air d'aller. Ok. Bref, allez, on arrête l'épisode ici, je vous dis au prochain épisode qui sera sûrement dès ce tour-là. Ciao, ciao.